Everyone say, júbilo resonante. Que oh, that's beautiful. Amen. All right, so for the last few weeks, our Spanish congregation have been preparing. We have been doing practices, and the theme, júbilo resonante, means resounding jubilee. Donc pour ces dernières semaines, l'équipe des chants hispanophones a pratiqué, on a prié, et le thème pour ce concert, c'est resounding jubilee. La jubilée résonante. Exactly. So this theme is to echo a night of celebration. Donc cette soirée, c'est pour faire résonner une soirée de célébration. To worship God and celebrate with Him, not because we need anything, but simply because of who He is. Pour se rencontrer et pour célébrer Dieu, non parce qu'on a besoin de quelque chose de sa part, mais pour ce qu'il est. We invite you all to join our celebration. Nous vous invitons à joindre notre célébration. Come hear some Spanish music. Venez entendre de la musique hispanophone. Pray for our Spanish congregation. Priez pour nos congrégations hispanophones. The guests that will come and the guests that you will bring. Les invités Amen. Qui vont être là et que vous allez amener. Amen. Amen. If you've ever had a burden for the Spanish community, this is the time to love on your Spanish congregation. Si vous avez déjà eu un fardeau pour la communauté hispanophone, ceci est un moment pour aimer sur cette communauté. Amen. If you don't speak Spanish, don't worry. The lyrics will be up in English and the preaching will be translated into English. Si vous ne parlez pas espagnol, il n'y a pas de problème. Les mots pour les chansons vont être en anglais et la prédication va être traduite en anglais également. So this Friday, everyone say this Friday at 7 p.m. Donc ce vendredi à 19h. We are hosting our Spanish gospel concert. Nous allons avoir notre concert gospel. To raise funds towards our Spanish conference later this year. Pour élever des fonds vers notre conférence hispanophone plus tard dans l'année. I want to thank everyone that's already purchased tickets and those that have made donations. Thank you very, very much. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont acheté des billets et tous ceux qui ont donné des dons. Merci beaucoup. And everyone else, I invite you to come celebrate with us. Invite people. Think about sponsoring a Spanish friend to the event. Et à tous les autres, j'aimerais que vous veniez, que vous invitez quelqu'un ou que vous sponsorisez quelqu'un pour l'événement, le concert. It is going to be a blessed time. We will be selling tickets after service just outside the door. Ça va être un moment avec beaucoup de bénédictions. On va vendre les billets à l'extérieur de la porte après le service. It will be $10 for adults, $5 for kids. If you're under 5, it's free. C'est seulement $10 pour les adultes et $5 pour les enfants. Si vous avez en dessous de 5 ans, c'est gratuit. Come see us after service. You can pay in a variety of ways. We have cash, e-transfer, Interact. Venez nous voir après service. Vous pouvez payer de multiples façons. Il y a e-transfer, Interact ou bien comptant. We hope that you will keep us in your prayers this week and we hope to see you there this Friday. J'espère que vous nous gardez dans vos prières cette semaine et j'espère vous voir vendredi. God bless you all. Que Dios los bendiga. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Muy muchas gracias. Thank you very much. Hallelujah. Merci beaucoup. Praise God. So come if you can and bring somebody with you. Donc venez si vous pouvez et amenez quelqu'un avec vous. On Saturday at 3:30, there's a Sri Lankan South Asian service here. Samedi à 15h30, il y a le service des Sud-Asiatiques ici. And 6 o'clock is a Spanish Bible study. Et à 18h, il y a l'étude biblique hispanophone. 7 to 9 is men's and ladies and children and youth prayer. De 19h à 21h, il y a la prière des dames, des hommes et des enfants. All praying in various parts of the building. Il prie dans différentes parties de cette bâtisse. We remind you of the men's ministry offering due by the end of July. Je vais vous rappeler l'offrande pour le ministère des hommes qui va être due d'ici la fin de juillet. And this goes towards a very worthy cause. Et ça va vers une très bonne cause. And then coming up very quickly is the Quebec District Camp. Ensuite, qu'est-ce qui vient très rapidement, c'est la conférence du district. We don't have a campground. On n'a pas un camp. And so we don't go out into the bushes and have a place where the mosquitoes feed on us while we feed on the word of God. On va pas dans les buissons et avoir une place où est-ce que les moustiques nous mangent alors que nous mangeons la parole de Dieu. We have our camp meeting right here. Nous avons notre réunion de camp ici. Where it's air conditioned. Où il y a l'air conditionné. In padded seats. Où est-ce que les chaises sont coussinées. I remember some camp meetings that weren't nearly so comfortable. Je m'en rappelle de certaines réunions de camp qui n'étaient pas aussi confortables. And we had wooden benches. On avait des bancs en bois that were made out of boards. Qui étaient faits de plateaux. And sometimes they moved and they pinched you.
Et des fois, ça bougeait, ça te pinçait. And there was some involuntary shouting. Et il y avait des cris involontaires. And birds were up in the top of the tabernacle. Et les oiseaux étaient en haut du tabernacle. And sometimes they dropped bombs while the service was going on. Et des fois, ils larguaient des bombes alors que le service était en train de se passer. This will not happen. Ceci ne va pas se passer. We're going to have it right here in this building. On va l'avoir ici dans cette bâtisse. July 17, 18, and 19. Le 17, le 18 et le 19 juillet. So plan to be here. Alors planifiez d'être ici. We have two wonderful men of God coming to teach and preach the word. On a deux merveilleux hommes de Dieu qui vont venir enseigner et prêcher la parole. We have Brother Don Rogers from the Pentecostals of Wisconsin in Milwaukee. On a le frère Don Rogers des Pentecôtistes de Wisconsin à Milwaukee. And Brother Daryl Weber from the Pentecostals of Lafayette, Louisiana. Et frère Daryl Weber des Pentecostals de Lafayette en Louisiane. And he is also the district superintendent of Louisiana. C'est aussi le surintendant du district de la Louisiane. And so make time to come in the morning. Alors faites créer du temps pour venir le matin. And have your soul fed from the word of God. Et avoir ton âme nourrie par la parole de Dieu. And come back on the evening services. Et revenez dans les services and du soir. And be blessed and challenged by the preaching of the word. Et soyez bénis et défiés par la parole. Tell your neighbor it's important to be here. Dis à votre voisin c'est important d'être ici. Hallelujah. It's kind of like our summer spiritual feast. C'est un peu comme notre banquet d'été. And I want to say thank you to all of you who wish my wife and I a happy anniversary for our 50th years. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous ont souhaité joyeux anniversaire pour notre mariage. Thank you for all of your good wishes. Merci pour tous vos bons vœux. My daughter, she put up the thing on her Facebook page and then tagged me or tagged something. I don't know nothing about tagging. All I know is she told me how to go and see all of those messages. So thank you to all of you. Donc ma fille m'a posté sur Facebook et puis elle m'a tagué. Donc mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout ça, mais j'ai pu voir tous vos messages. Merci beaucoup. And God bless you for your kindness to us. Some of you gave gifts. Thank you so very, very much. Merci pour votre gentillesse. Certains d'entre vous nous ont donné des cadeaux. Donc merci beaucoup. And to remind you about giving, there are three ways to give. Et pour vous rappeler à propos de donner, il y a trois manières dont on peut donner. You can give online with a need transfer, give at upcsaintlaurent.org. On peut donner en ligne avec un transfert à give at upcsaintlaurent.org. You can give by mail. On peut donner par la poste. Or you can give in person. Ou vous pouvez donner en personne. Let's everybody stand.